sais pas trop, papa. On dirait que tu vis dans une maison pleine de gosses. Mais c'est très joli. C'est festif. Tu t'es organisé une mini-parade de Noël. À ce qui paraît, t'es plus dans la finance. On vit dans un monde monstrueusement cupide. Tout ça pourquoi? Une maison plus grande. Alors t'as des projets d'avenir? Je fais aussi un peu de boulot pour une association. La maladie, les maladies, une association dans le domaine du cancer. Séparés ou... Non, divorcés. Vous avez des enfants? Oui, j'en ai un. Et est-ce que tu cherches un boulot, moi? Oui, j'en ai trouvé un. Oh! Ah oui? Oh! Oui, je fais les livraisons de pinards. T'habites ici? J'aurais cru que ça, c'était ton genre. C'est quoi ton genre à toi? Chauffeur-livreur? On dirait bien. Je crois qu'il est perdu, en colère aussi. Il me fait penser au type qui est assis en face de vous en ce moment. Ah, oh, j'en ai du pot. Qu'est-ce qui t'a pris? T'as lâché ton boulot de la mort? J'ai pris tes décisions. Tu peux pas débarquer comme ça. Non, tu es bourré. Je viens récupérer quelques petites affaires, faut que vous vous détendiez. Il a un drôle de goût, cet esquimau. Tu te fous de ma gueule? Non, il a un goût de fleurs. Mais qu'est-ce qui va pas chez toi? Bordel, je t'en conjure, vas-y, casse-toi! Quand je t'ai vu à la fenêtre il y a 2 secondes, j'ai cru que c'était lui. J'ai quelques questions à te poser. Preston n'a rien fait dans cette histoire. J'ai rien dit à personne, je sais pas comment ils l'ont su, je suis désolée. Pourquoi tu nous as pas contactés? Je t'ai pris ce bouquin. Un livre érotique volé à la bibliothèque. Non. Je suis désolée que tu aies un père aussi décevant. Ok. Dans le temps, j'imaginais que ma vie était un genre de toile immense. Plus on faisait partir de soi des fils raccordés à d'autres toiles, plus ça faisait de nous un personnage important. Résultat, si on disparaît, alors toutes les personnes qui faisaient partie de notre vie se mettent à tisser des fils avec quelqu'un d'autre. Tu vois? Alors on n'est plus là et la toile commence à se reformer autour de nos proches et tout le monde avance très bien sans nous.